Voilà. Donc je vais essayer de m'entraîner pour le Blitz de Sabine et il est totalement impossible à faire. Pourtant j'y arrive avec le clavier. Donc tant pis. Je passe en. Alors. On touche à la fin de la rivière. En fait, il y a les deux points de sauvegarde, c'est normal. Oh le con. J'ai oublié de désactiver la sauvegarde automatique. Voilà, un truc rapide. Je tente une dernière fois. Alors, je me suis gouré. Ça m'énerve. Ça m'énerve de pas pouvoir faire ça parce qu'il y a plein de trucs avec des diagonales après. Si je peux pas faire les diagonales, je vais devoir jouer au clavier, tant pis. Ah, je crois que je joue au clavier. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Voilà, à partir de la prochaine vidéo, je joue au clavier. Et je vais voir si ça fait pas trop de bruit, les touches de clavier. Donc là, hop, on se retrouve avec Ultros. Rappelez-vous de lui, parce qu'on va le voir souvent. C'est un ennemi qu'on voit très souvent. Moi, il me fait bien marrer, personnellement. On peut pas lui faire ce play avec soi. On peut lui faire aura machin, mais... Pas déconner. Il raconte que des conneries en plus. Par contre il fait mal oui. Ça on peut pas dire le contraire. Ça, je vais le faire par cœur, mais bon. Je vais le faire vrai. Hein. Ça fait mal. Bon, heureusement, j'avais prévu le coup. Donc là c'est long mais du moment qu'il fait pas l'attaque sur une personne qui fait mal là ça va. Vous allez voir on va le revoir tout le temps lui il m'éclate trop. Je crois que vous avez jamais vu qu'après un combat de boss le gars il le cherche tout seul. Ah, c'est quoi ce saut? Putain, c'est un athlète le mec. Voilà, on a perdu Sabine. Oh, il est pas mort. Hein.
Et hop. Et là, ça c'est énorme. J'adore. Faut choisir un des trois scénarios. Alors premièrement je regarde. Ouais, c'est avec Maul qu'on fait. Donc lui là c'est. Ah non, on peut pas le voir. Voilà, donc faut choisir un des trois scénarios. Alors Loki, la figure au sud. Lui il s'échoue, on sait pas où. Et eux qui vont chercher l'espère. Alors moi je choisis Sabine parce que je l'adore. Dès qu'on a fini un scénario, on peut retourner choisir un des autres. Donc voilà, il se retrouvait chaud ici. Une petite maison là. Et on voit Shadow en plus. Bon, Sabine ne le connaît pas. On n'est pas avec lui, je vous rappelle. Alors là, Shadow, vous allez voir, bon, vous savez, il nous aime pas trop, donc des fois il se barre. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il peut se barrer n'importe quand. Là, il peut se barrer juste après que je sois sorti. Il peut se barrer, il peut ne pas se barrer pendant tout le scénario. Il peut se barrer en plein milieu, c'est vraiment bizarre. Enfin non, peut-être pas dès que je serai sorti, mais... Le Veldt, c'est la plaine qu'il y a juste à côté. Ouais. Donc là, avec le truc qu'on a, on va pas se gêner. Hein. Une dizaine. Ça deux ou trois. Hein. Ouais, Shuriken, je vais même en faire un peu plus. Alors vous allez voir avec son chien, lui, il est assez marrant. Shadow. Parce que des fois, il y a son chien qui le protège, il se fout devant lui. Et des fois, il y a son chien qui contre-attaque aussi. Et comme talent, il peut jeter des objets. Comme le shuriken que je viens d'acheter. Des trucs élémentaires et tout ça. Vous verrez. Ouais, il peut lancer ça. Toutes les armes, ça. Ça se fait sur tout le monde, ça. Et les shurikens qui font mal. Très mal. Après, il y a des meilleurs shurikens après. Donc oui, il y a souvent les mêmes ennemis. Mais en fait, ça c'est l'endroit où il y a le plus d'ennemis différents. Pour l'instant, non. Mais quand on va rentrer dans le Veldt, je sais pas si on y est vraiment en fait. C'est une grande plaine. Hein. Bon, là, on n'y est pas encore vraiment. Quoi. Enfin, quand on va rentrer dans le Veldt, vous allez voir. C'est assez marrant parce qu'on peut revoir tous les ennemis qu'on a déjà combattus. Vous comprendrez pourquoi après. Ah, on peut pas passer. Non. On doit aller par là. Je sauvegarde un peu. Je peux faire un combat extrêmement dur aussi à l'intérieur de cet endroit. Je sais pas si j'attends ou pas. Là, je vais vous montrer un truc. Ah, ça le fait sur lui. C'est marrant ça. Ça
fait quoi? Ah, hein. C'est pas ce que je croyais. Ouais, si on le touche, ça touchera son ombre en fait. Ah, là, là voilà, il y a son chien qui l'a bloqué, vous voyez. C'est aléatoire. Son chien il s'appelle Interceptor. C'est pour ça qu'il bloque les coups. Ça c'est marrant. Voilà. Kefka ici. Alors Général Léo, c'est un perso important aussi. Et vous vous rappelez la scène au début que je vous avais dit, on voit Kefka et Terra. Kefka qui tue des soldats là. Non, Terra qui tue des soldats. Après on voit Gestal qui fait un espèce de discours. On voit trois autres personnes. Mais le mec qu'on voit c'était le Général Léo. Et la fille qu'il y avait avec aussi, elle est importante. Je sais pas si vous vous rappelez. Quand on voyait que Terra se rappelait. Là. Au coup, le Général Léo, bien sûr, il a plus de pouvoir que Kefka. Hein. Mais le Général Léo, il est super sympa, en fait. Il est hyper loyal. Et... Bon, voilà, ils vont attaquer un château, là. Voici. Là, c'est à l'intérieur du château. Aussi, c'est un perso principal. Vous allez voir, Sian aussi, il est très fun comme perso. Avec Sabine, c'est un des persos les plus fun à jouer. Là, je m'attaque direct à lui. Donc lui en fait fait ça. Et vous voyez, il y a une barre si on attend. Donc là par exemple, 2 ça fait ça. Si on m'attaque, je contre-attaque. 3 je crois que ça coupe la vie en 2. Et 1 ça fait une attaque puissante. Donc voilà, là il fait réplique. Là, je lui dis 3 ça coupe la vie en 2. Et voilà, il est mort. C'est assez rapide. J'ai obtenu une ceinture noire, c'est une relique. C'est con. Donc là on retrouve Shadow et machin. Oh les salopards. Oui, je les ai attaqués par surprise mais bon. Ah, ils sont moins puissants que je croyais en fait. Donc le combat quasi impossible que je vous ai dit, je vais vous le montrer. Je risque vraiment de crever. Hein. Ouais, je vais sauvegarder avant. Comme ça, j'aurais pas à revoir la scène avec Sian. Là-dedans, c'est un combat très chaud. Non, c'est pas là. Bon, leur con maintenant. Si on leur parle pas, ils nous attaquent pas, pardon. Oui, ça en ouvrant un coffre, il y a un coffre. Ouais, vous allez voir. Non, ça marche pas. On se cache dans le coffre. C'est con ça.
peux pas faire frapper. Collier étoile. Peut-être que si j'aurais fait donner un truc. Enfin non, je sais pas. Donc alors. On va des reliques maintenant. Mon gant. Ça permet de tenir une arme à deux mains. Voilà, ça se fait. Je vais pas le donner à lui en fait, parce que lui s'il se barre après j'aurai plus rien donc. La ceinture noire. D'ailleurs ça tombe bien vu que c'est un pied d'art martiaux. Basket. J'ai pas trop envie de lui donner des reliques mais bon. Ouais je leur donne pas d'ailleurs. On voit le général Léo. Vous voyez, il est assez loyal et tout ça. Il veut pas sacrifier trop de vie. Voilà, ils essaient de démontrer qu'il est sympa. Quoi. Vous avez compris comme il part. Qui est-ce qui a le commandement du coup? Kafka. Comme c'est un petit enfoiré, vous allez voir ce qu'il va faire. Ah oui. C'est un salopard. Voilà, alors, que va-t-il se passer? Vous verrez à la prochaine vidéo à quel point Kafka est un sadique. Et ça sera qu'une petite démonstration en plus.